l'histoire des moulins ici de Saint-Jean-de-Dieu, ben, c'est un travail de moine. Et surtout un travail de professionnel. En effet, depuis une dizaine d'années, les deux auteurs ont bûché à la confection de cet ouvrage. Bûcher, ça se rapporte au bois, là, pour ça. Germain Bélanger, c'est un ingénieur forestier. La forêt, c'est sa branche. C'est lui qui a rédigé le volume, c'est ça? Et Serge Rioux, c'est un passionné d'histoire. Une encyclopédie à lui seul pour toute l'histoire de Saint-Jean-de-Dieu. En fait, pour les gens qui connaissent moins nos deux auteurs, je voulais vraiment prendre la peine de dire qu'est-ce qu'ils ont accompli puis qu'est-ce qu'ils sont dans la vie de tous les jours. Monsieur Serge Rioux est un forestier qui s'est mérité un troisième prix de l'Agence de la mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent pour la qualité de l'aménagement de son boisé. C'est une encyclopédie vivante sur la généalogie et l'histoire, comme l'a mentionné Monsieur Bélanger. Il est membre à vie de l'Association des familles Rioux d'Amérique. Il est membre à vie de la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles. Il est membre de la Société d'histoire et de généalogie de Rimouski. Il est membre de la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup et c'est un passionné de l'histoire des moulins à scie de Saint-Jean-de-Dieu. Quant à M. Germain Bélanger, il est bachelier en sciences appliquées de l'Université Laval. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Il est membre à vie de la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles et il est un passionné de l'histoire des moulins à scie de Saint-Jean-de-Dieu. Oui, bonjour, Ghislain Vachon, ici à Saint-Jean-de-Dieu pour la TCBH. Je suis en compagnie de M. Germain Bélanger et de M. Serge Rioux. Ce sont les co-auteurs du livre « L'histoire des moulins à scie de Saint-Jean-de-Dieu ». Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Oui, donc, ça vous est venu comment, ce goût-là de raconter l'histoire des moulins à scie à Saint-Jean-de-Dieu? Moi, j'ai commencé il y a peut-être au-delà de 40 ans. J'avais entendu parler des moulins qu'il y avait dans le Rang-Chenot, que j'ai vécu, mettons, en 52, j'avais 4 ans, puis le moulin voisin de Chenot a passé au feu. Puis M. François Rouleau, son moulin, mettons, qui avait acheté des Toubis Rioux, des personnes de Trois-Pistoles, qui avaient un moulin à Rallonge, ils ont arrêté d'ici en 52. Puis par après, mettons, les moulins au village François Lafrance, Maurice Lafrance, Edmond Serouet, au village, ils ont abandonné, ils ont en 61, puis en 67. Après ça, le moulin Emmanuel Jean Rioux, qui a été fait sur du bois-là avec mon père aussi. Puis par après aussi au moulin, mettons, à Monnet, à Saint-Clément, chez Napoléon Beaulieu, Robert Beaulieu. Puis le dernier moulin, j'ai allé chez le moulin, mettons, M. Normand Dumont. Là, par après, je me suis intéressé aussi à l'emplacement des moulins, mais aussi, mettons, dans les autres rangs de la paroisse que je ne connaissais pas trop, à un moment donné. Puis à Londres, genre, j'ai ramassé beaucoup de documents aussi au point de vue de la forêt, les contracteurs forestiers. Puis, à peu près, vraiment, 10-12 ans, j'ai rencontré M. Bélanger. Ce que je vais ramasser, peut-être une cinquantaine, 40 à 50 contrats. Puis de là, lui, formation d'ingénieur forestier, ça a permis, mettons, à un moment donné, de mes connaissances étaient moins fortes, moins au point de vue forestière, pour composer, mettons, les textes ou quoi que ce soit. Mais vous êtes quelqu'un de Saint-Jean-de-Dieu? Oui, moi, j'étais cultivateur. Puis à un moment donné, j'étais producteur forestier. J'ai même gagné au mérite forestier en 2006. Puis à partir de 1996, j'avais aménagé mes lots, producteur forestier, mais j'avais cultivé ma forêt. Puis à un moment donné, j'étais obligé de cultiver dans le livre pour faire un petit peu plus dans ça, à un moment donné. Puis vous, M. Bélanger, vous êtes originaire ici de Saint-Jean-de-Dieu également? Oui, tout à fait, oui. Okay. Parlez donc un peu, vous, là, c'est quoi qui vous a amené à cette aventure-là? Bien, au départ, à un moment donné, disons que je pense qu'on était deux passionnés d'histoire qui se sont rencontrés. Puis, on s'est mis à parler un peu des moulins ici. On regardait qu'est-ce qui avait été fait à l'heure actuelle. Il y avait très peu de choses. Fait qu'à ce moment-là, de fil en aiguille, Serge avait déjà des choses de fait. On a commencé à regarder ça. Après ça, on est allé rencontrer, à un moment donné, des personnes âgées. Et puis, c'est suite à ça, à un moment donné, que ça a déboulé, puis que l'intérêt a grandi également. On s'est mis à mettre ça sur papier, puis finalement, à un moment donné, ben, je veux dire, de fil en aiguille, ça a fait le livre qu'on a présentement. C'est un très beau livre, je l'ai feuilleté tout à l'heure, c'est beaucoup de travail. D'ailleurs, ça prend combien de temps faire un livre comme ça? L'affaire, c'est sûr qu'on ne peut pas parler de temps plein, mais on a passé facilement plus d'une dizaine d'années pour recherche, ramasser de l'information, rencontrer des gens. On a rencontré une douzaine de personnes, et puis juste pour vous donner à titre d'exemple, il y en a déjà six de ces personnes-là qui sont plus là. Puis vous,
moi, dans mon cas, j'avais rencontré des personnes, mettons, des années 80, 90 et 1900, 2000, dans M. Édouard Dauteuil, qui est mort à 104 ans. Quand je suis allé le voir à 102 ans, je suis allé voir pour des renseignements. Il dit, pas tout de suite, il n'y a plus personne parler de ça à un moment donné. Puis là, je suis allé voir, mettons, Mme Milliard, puis Mme Lévesque, Rita Lafrance Milliard, puis Mme Agnès Lévesque. Les autres, le père avait logé trois moulassiers à Saint-Jean. Après ça, disons, tu avais d'autres personnes aussi, disons, à un moment donné, qui nous ont donné des renseignements pertinents. Mais avec des photos aussi que j'ai pu ramasser des gens qui avaient travaillé, mettons, dans les chantiers dans le temps de Jean Dauteuil, contracteur, et des années coupées 5 à 6 millions de pieds de bois, mettons. Puis il y avait comme les photos, un de mes amis qui sont pris à travailler au moulin, Arthur Rousseau, puis j'avais une quarantaine de bonnes photos de chantier, donc ça m'a donné un goût plus d'aller plus loin. Puis pour finir, en 2018, je suis allé à Montréal aux Archives nationales chercher des photos aériennes des derniers moulins-ci qui étaient existants à Saint-Jean-de-Dieu en 1954. Ça, c'était un plus pour moi, à un moment donné, pour dire, mais là, on continue, on avance, on fait un livre. Ça se retrouve tout dans le livre, d'ailleurs. Là, on oublie souvent aussi, les gens arrivent à Saint-Jean-de-Dieu, des belles grosses terres agricoles, mais Saint-Jean-de-Dieu, ça a été parti pour l'exploitation forestière. Oui, puis surtout, maintenant, avant 1900, même, ils gravaient sur la rivière Babouchkache. Ils coupaient du bois en arrière de Saint-Médard et Saint-Guy. On a, dans le livre, là, on a quand ils faisaient des écluses, ou qu'il y avait aussi, maintenant, à un moment donné, comment ils appellent ça, dans des... L'écluse, pour de faire, c'était du Saint-Médard, quand que en debout. Une estacade, là, hein? Estacade. Oui, ça, c'était pour la drave, ouais. La drave, là, il fait pour garder le niveau de l'eau. Puis, à un moment donné, j'ai sorti 6 contrats d'entente entre propriétaires, même M. Taubin, mettant entre pistoles. Puis, à un moment donné, en 1903, il y avait deux compagnies forestières qui dravaient sur la rivière. Puis, là, au bout de 15 jours, il fallait qu'ils libèrent la rivière, mettons. Ça fait 100 quelques années en arrière de ça, à un moment donné, là. Les choses. Puis après ça, à un moment donné, j'avais ramassé un petit peu d'articles qui se rapportaient au moulin ici. Même là-bas, j'ai à la table, là, j'ai du moulin de Matane. Ma soeur, son mari, quand il est mort en 93, avait des outils du moulin des princes brodeurs à Matane. Puis elle m'a donné ça, à un moment donné. Puis 25 ans plus tard, ils servent à quelque chose aujourd'hui. Puis même, on avait une écluse chez nous au nord. On a des morceaux là-bas de bois, date de l'écluse des années 1870. Donc, vous en parliez justement, beaucoup de généalogie dans votre ouvrage également? Oui. Ah oui, M. Oui. Mélanger. Bien, c'est parce que ce qui arrive à un moment donné, disons, souvent on ramasse beaucoup de choses au fil des ans. On est des ramassés au départ en termes d'histoire et vue de tout ça. Donc, à ce moment-là, à partir du moment où on mettait des noms pour les propriétaires de moulins, bien, on voulait savoir à un moment donné ces gens-là, de quelle place qu'ils venaient, puis à qui ils étaient mariés, puis quand elles sont venues au monde, puis quand elles sont décédées. C'est parce que ça évite aussi, des fois, qu'il y a des gens qui portaient le même nom. Fait qu'à ce moment-là, on était sûr, à un moment donné, d'avoir la bonne personne. Non. On dit quoi aux jeunes, là, qui voient ça passer, qui n'ont jamais vu ça de leur vie? Je dirais, moi, quasiment un dicton, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Puis, quand on est jeune, si on a la chance d'avoir des parents, grands-parents, surtout, là, mettons, malgré qu'ils ont des grands-parents, c'était à 50 ans, ils ont du vécu aussi. Des fois, qu'il y a des arrière-grand-mères ou quelque chose comme ça, qui ont des belles photos à place d'aller à la poubelle, ça pourrait servir à bien d'autres choses aussi. Pour, disons, souvenir d'hier. Comme qu'on dit, hier, aujourd'hui et demain, mais ça prend pour faire l'histoire. Il faut avancer dans le temps, à un moment donné. Je pense, à un moment donné, qu'il ne faut pas nécessairement forcer les jeunes, parce que, moi, je me souviens, étant jeune, c'est le genre de choses qui m'intéressait plus ou moins parce que nos parents étaient là. Puis on disait, à un moment donné, je ne sais pas, pour identifier une photo ou n'importe quoi, on n'a pas besoin d'écrire ça, on va demander à notre père ou à notre mère. C'est lorsque ils sont disparus, à un moment donné, qu'on s'aperçoit qu'on aurait dû prendre, à un moment donné, beaucoup plus de notes. Puis, dans le cas des moulins, nous autres, je pense qu'on peut dire là-dedans, moi, pour ma part, je me dis aujourd'hui, notre travail est terminé. Maintenant, c'est notre livre, à un moment donné, qui va garder et perpétuer l'histoire des moulins ici, et c'est lui qui va faire son chemin. Nous autres, on prend notre retraite. Bien, je vous remercie beaucoup, messieurs, et puis bonne chance avec votre livre. Un tome 2? Non, pas pour tout de suite.